Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire une recette ultra simple dans mon Ultra Pro. Alors j'ai pris l'Ultra Pro de 3,5 litres, donc c'est un peu le tout terrain de la gamme Tupperware parce qu'il va au four, au micro-ondes, au congélateur, au frigo, il passe très bien en lave-vaisselle. Alors vous voyez, moi dans le mien, je l'ai déjà depuis quelques années, je n'utilise que des ustensiles en plastique, il est comme neuf, je n'utilise pas non plus d'éponge abrasive pour le nettoyer et il n'a aucun coût, donc ça c'est vraiment parfait. Alors, en Belgique, on a deux plats un petit peu typiques. Le premier, c'est le steak frites salade. Et le deuxième, ben, c'est le poulet rôti. Quoi, le poulet rôti du dimanche. Et c'est ce que je m'apprête à faire. Donc, dans ma cocotte, l'avantage, c'est que le poulet va continuellement être arrosé avec la vapeur qui va remonter sur le couvercle et ensuite redescendre sous le poulet. Donc, il sera bien juteux. Donc, ça, c'est vraiment très sympathique. Pour vraiment rester dans le typiquement belge, je pourrais mettre même mon poulet ici. Ici, mettre le couvercle à l'envers avec des pommes en dés sur le dessus, couvrir, mettre le tout au four et j'aurai ma compote en même temps que mes pommes. Donc ça, c'est très sympa. Alors, c'est un plat qui va vous faire vraiment gagner du temps de cuisson par rapport à une cocotte en fonte. Tout simplement parce que la cocotte en fonte, il faut le temps que la fonte chauffe avant vraiment que l'aliment chauffe. Ici, vraiment, la structure de l'Ultra Pro est en fait en nid d'abeille qui fait que votre nourriture va vraiment bien chauffer rapidement. Donc, j'ai simplement acheté un poulet entier. J'ai retiré les petites cordes qui tiennent d'habitude les pattes. Et je le mets tout simplement dans mon Ultra Pro, aucune matière grasse. Alors, je vais badigeonner mon poulet d'épices à poulet. C'est des épices qu'on trouve un peu partout dans le commerce. Hop, hop, hop. Et franchement, c'est vraiment de très chouettes épices délicieuses. Donc ça, c'est très sympa. Alors, je vais ajouter un oignon. Vous voyez que j'ai préalablement coupé en 4. Ça, c'est... soit vous aimez bien les oignons confits, soit c'est plus pour le goût en fait. Hein. J'ajoute un petit peu de thym. Et je vais même ajouter une ou deux feuilles de laurier, voilà, sur les côtés. Et ensuite, je vais ajouter des petites pommes de terre grenaille que j'ai préalablement lavées. Donc c'est vrai qu'elles sont déjà bien propres au magasin. Mais ici, voilà, on ne sait jamais où les légumes ont traîné, même s'il y a des pesticides ou autres dedans. Enfin, normalement, c'est du bio, donc non, mais voilà. Et donc, voilà, mon plat est prêt. Donc, comme vous le voyez, ça m'a pris, je vois que je suis à 2 minutes 50 de vidéo où je vous expliquais l'article. Donc, ça me prend royalement 30 secondes de tout mettre à l'intérieur. Je vais mettre mon couvercle. J'ai fait préchauffer mon four à 230 degrés sans la grille, hein, toujours parce qu'on va mettre l'Ultra Pro sur une grille froide. Donc je vais mettre la grille dans mon four, mettre l'Ultra Pro et je vais laisser cuire 1h30. Donc ça c'est top le dimanche. On se lève, on met tout dans le four et puis à midi on a un repas qui est prêt. On peut même repartir faire une sieste si on est fatigué. Et voilà, donc après 1h30 de cuisson, voilà, j'avais cuit avec le couvercle et j'ai retiré le couvercle pour les 15 dernières minutes. On peut remarquer que mon poulet, franchement, il est magnifique. En fait, il est vraiment bien doré. On a les pommes de terre ici qui ont cuit dans le jus de cuisson du poulet. Donc moi, j'avais pas mis de matière grasse. Hein. Tout ça, c'est le jus qui a rendu le poulet. Et donc, les pommes de terre vont vraiment être délicieuses. On a tous les arômes de l'oignon, des épices. Franchement, c'est une vraie tuerie. Moi, j'adore ça. Je vais servir ça avec une petite salade et ça va vraiment faire un chouette repas. Alors, ce qui est plutôt sympa aussi, c'est que si vous vivez tout seul ou même à deux, donc chez nous, on est deux, on ne va pas manger un poulet complet à deux. Simplement, on décortique le reste et on va le manger froid, par exemple en salade avec de la mayonnaise dans nos tartines. Donc, on n'a pas peur de faire un poulet complet. Il sera mangé pas en une journée, mais disons qu'avec le repas et les tartines, on s'en sort plutôt bien. L'avantage avec ce plat, c'est qu'avec le couvercle, votre plat va rester chaud. Donc, ça va vous permettre de garder votre plat au chaud tout en attendant que vos invités se mettent à table ou ici, en attendant, je prépare ma petite salade. Alors oui, ici, nous fêtons les 59 ans de Tupperware cette semaine. Et donc... pour l'occasion, Tupperware vous propose cet Ultra Pro de 3,5 litres ainsi que son couvercle à 59 € au lieu de 99 €. Donc ça, c'est quand même une belle promotion et c'est l'occasion de se l'offrir.